Déjà, en fait, c'est ma comme définition en arabe, ça veut dire audition, d'écouter. Et quand on regarde, il y a un côté très paradoxal dans ce rituel de tournement de soufis. C'est quand vous regardez, en fait, la jupe de derviche tourneur, ça reste une jupe et qui est majoritairement faite par les hommes en général en Turquie, malheureusement, ce que je dis. Et donc, il y a un côté très paradoxal. Et je pense que tous ces derviches ont cet équilibre entre l'équilibre féminin et masculin, parce qu'il faut cette énergie féminine. Et même la planète tourne grâce à ces énergies, le soleil et la lune. Et donc, je pense que ça m'a attirée justement pour une recherche de cette harmonie qui est à l'intérieur de moi, qui en a toujours chez tout le monde, cette énergie féminin et masculin, pas dans un sens physiologique et physique, mais dans l'âme. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce rituel. Et donc, voilà, je continue ce cheminement à l'heure actuelle, cette recherche. J'ai appris en fait ce rituel grâce à Zia Azazi, un des workshops après ma divorce. Et c'est une très belle rencontre pour moi, qui va compter toujours, parce que ce rituel quand même a un effet très thérapeutique, parce que c'est vraiment une recherche de soi-même. Et après avoir sorti justement une violence conjugale que j'ai vécue depuis des années et que je ne le voyais pas, ça m'a énormément aidée justement pour guérir toutes ces blessures dans une tranquillité et vraiment de mettre en paix en fait à ce deuil et à cette séparation. Et par la suite en fait j'ai commencé vraiment à partager justement cette côté Sema avec tout le monde, parce qu'en Turquie, malheureusement, même si on a un respect énormément à Rumi, mais j'ai l'impression qu'on a connu vraiment ce rituel, pas de manière profondeur, parce que je pense que l'ouverture aux femmes, il en existe, ils doivent exister, parce que c'est ça qu'il présente comme philosophie de Rumi. Et donc, voilà, Ezia Azazi avait donné justement cette porte ouverte. Et donc, j'ai appris un peu techniquement et aussi philosophiquement par la suite moi-même la littérature tasawwuf qui m'a intéressée. Et puis, surtout le côté thérapeutique, en fait, qui m'a aidé énormément pour m'en sortir. Et je suis ravie aujourd'hui, à l'heure actuelle, de partager avec beaucoup de femmes auquel je travaille actuellement dans un planning familial qui travaille sur la violence conjugale. Et donc toutes ces, peut-être pas directement la danse, mais en tout cas toutes mes approches philosophiques, etc. Voilà. Un des obstacles que j'ai rencontré, donc un petit truc anecdotique que je peux vous expliquer. Un couturier à Istanbul, couturier des derviches tourneurs en fait. C'est un des seuls qui coudre depuis des années et en général, les clients qu'il en a, c'est majoritairement les hommes parce que les derviches sont majoritairement des hommes. Et donc, moi, je suis une des personnes qui fréquentait chez lui justement pour une recherche de la jupe parce que la jupe, El Tanoura, ça présente quand même notre instrument quelque part. Et donc on était en train de faire vraiment une recherche approfondie sur cette jupe à travers d'autres jupes du Kalbelia, d'autres types de danse, parce qu'il n'y a pas que en Turquie, en Afghanistan, en Pakistan. Et donc on avait fait une recherche ensemble. Et par la suite, il m'avait envoyé un message en disant que je peux plus vous recevoir dans mon magasin, malheureusement. Je m'excuse, je présente toutes mes excuses parce que hier soir, on m'a jeté des pierres sur la vitrine de mon lieu de vente et donc je ne peux plus travailler à cette recherche. Et donc j'étais très triste parce que c'est le seul quand même instrument qui me permet de se mettre en transe. J'étais très triste parce que pour lui aussi, il avait cette ouverture et il habite dans un quartier quand même assez conservatrice à Istanbul. Et donc j'ai pris la distance et par la suite j'ai voulu coudre, j'ai appris à coudre un peu moi-même. Et donc voilà, le cheminement a continué et ce que j'ai envie bien sûr, c'est d'être avec l'homme. Parce que pour moi, l'harmonie et l'équilibre, c'est entre yin et yang. Et sans ça, l'existentialité ne sera pas possible. En fait,
quand je fais ces mains, je sens vraiment une gouttelette d'un océan. Et vous le sentez vraiment, en fait, comme un point dans cet univers. Et c'est un vrai abandon de l'ego. Et c'est pour ça que l'être humain a besoin parfois d'abandonner cet ego. Et ça m'a permis dans cette, justement, cette transe, cette rituel, ce mécanisme qui est très répétitif, ça m'a appris énormément de choses. C'est très difficile d'expliquer. Mais en tout cas, j'ai appris cette harmonie et j'essaie d'apprendre cette harmonie toujours grâce à cette rituel. L'écrivain grec, je pense que c'était l'écrivain de Zorba, Nikos Kazantzakis, je crois. Il a une excellente phrase qu'il dit et je crois que c'est ça qui reflète le schéma. Je ne crains rien, je n'espère rien, je suis libre, j'ai la liberté. Il avait mis ça sur son tombeau quand il était mort. Et donc, à chaque moment que je fais le schéma, c'est ça que je vis. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut que les femmes disent à l'heure actuelle aujourd'hui.